Après la très longue période de l'âge de glace, la population préhistorique a commencé à s'accroître en raison de conditions climatiques plus favorables, ce qui a engendré un besoin grandissant de nourriture. Pendant la période néolithique, 10 000 ans avant Jésus-Christ, et surtout après une longue période de 200 000 ans à vivre comme des chasseurs nomades, l'être humain s'est orienté vers une vie plus stable de producteur. La première zone d'implantation du néolithique est située entre l'Anatolie du Sud-Est, le nord de la Syrie et la partie occidentale de l'Iran. Les données archéologiques les plus importantes qui prouvent cette théorie sont des restes de blé datant d'il y a 12 000 ans qui ont été trouvés sur la colline de Göbekli, au sud-est de la Turquie. Tout a commencé avec l'âge néolithique. Fatigués de vivre comme des nomades, nos ancêtres ont commencé à se sédentariser lorsqu'ils ont découvert le blé, l'orge et la végétation naturelle de cette région. Cette nourriture substantielle doit avoir motivé nos ancêtres à vivre une vie plus stable. Ce fut une révolution alimentaire pour nos ancêtres ayant appris à faire du pain à partir du blé. Cette nourriture satisfaisante, obtenue facilement et sans effort, les a convaincus à rester sur place puisque la plantation et la récolte du blé nécessitaient d'attendre une longue période au même endroit. Les peintures murales des anciens Égyptiens, décrivant les femmes écrasant le grain sur des pierres pour faire de la farine, prouvent à quel point le pain était important pour la culture égyptienne. À cette époque, le pain était très sec. Malgré tout, de forme plate, il était facile à transporter pour livrer des camps militaires ou des régions de chasse. Selon une croyance datant des années 2000 avant Jésus-Christ, un boulanger égyptien aurait laissé sa pâte en plein soleil, et à son retour, il découvrit la pâte ayant fermenté. Lorsque le boulanger mit sa pâte dans le four, il a remarqué que le pain avait commencé à gonfler plus facilement. Ce pain délicieux et facile à mâcher, étant très sollicité par les riches et les nobles, est devenu si précieux qu'il aurait commencé à être utilisé comme une monnaie dans l'Égypte ancienne. Les Grecs anciens auraient appris à faire le pain grâce aux Égyptiens et commencèrent à cuire toutes sortes de pains. Puis les Grecs, à leur tour, auraient enseigné ce savoir-faire aux Romains en 600 avant Jésus-Christ. En 1859, le scientifique français Louis Pasteur découvrit la réaction des micro-organismes dans le mécanisme de fermentation. Ce fut une nouvelle révolution pour la production de pain, puisqu'à partir des années 1870, la production de levure pure débuta. En 1880, le premier moulin mécanique a été construit avec succès en Suisse. Ainsi, des pains de couleur plus claire et de meilleure qualité ont pu être produits. Le pain est une source de glucides très importante, satisfaisante et nutritive, qui peut rapidement se transformer en énergie. En plus d'être riche en vitamine B, la présence du fer, du magnésium valorise le pain. Situé à la base de la pyramide alimentaire, le pain reste depuis toujours la base de toute alimentation. La production mondiale de blé était d'environ 730 millions de tonnes en 2015-2016. La Chine est leader sur le marché avec 130 millions de tonnes, suivie par l'Inde avec 90 millions de tonnes et la Russie avec 60 millions de tonnes. Les Européens sont les leaders incontestés dans la consommation de pain par habitant. Parmi les pays européens, la Turquie occupe la première place avec une consommation de pain de 150 kg par personne. La Serbie occupe la deuxième place avec 125 kg de consommation. La Bulgarie la troisième avec 105 kg, suivie par l'Allemagne et la Russie. En Europe, le pain représente 80% du marché des produits boulangers. Le pain frais est davantage sollicité, mais en raison des difficultés rencontrées lors de la distribution et pour repousser la date de péremption, il est emballé et il est commercialisé sous forme de produits semi-cuits. Le commerce du pain surgelé, de beignets, de gâteaux, de pizza ou de ravioli a commencé il y a seulement 15 ans. Les entreprises canadiennes, suisses, mexicaines et italiennes ont été les premières à remarquer ce segment de marché. C'est la raison pour laquelle elles ont une présence plus importante sur le marché mondial. Les États-Unis, l'Union européenne et la Russie sont très demandeurs de ces produits.
La pizza est l'aliment le plus consommé parmi les produits surgelés de boulangerie, suivi du pain à hamburger, de la pâte feuilletée, des croissants, des raviolis et autres types de pâtisseries. Mais qui n'aimerait pas un pain chaud qui sort du four? Cependant, la production de pain nécessite un procédé de fermentation et de repos de la pâte. La génération actuelle possède tout sauf le temps. Deux types de levures sont utilisées dans la production de produits de boulangerie. La première est davantage pour une utilisation industrielle. Il s'agit des levures sèches et sont utilisées pour la production rapide dans les usines à grande échelle. Le deuxième est une levure acide traditionnelle, utilisée dans les boulangeries de petite taille, où la fermentation peut durer de 6 heures à 12 heures, fournissant des pains plus goûteux. Dans les fours industriels, la durée totale ne dépasse pas plus de 3 heures et demie entre la formation de la pâte jusqu'à ce que le pain soit cuit et prêt. Les prix du pain sont particulièrement importants dans les pays sous-développés et dans les pays en voie de développement. C'est pourquoi il y a une concurrence féroce entre les producteurs. Mis à part la concurrence dans le prix, le défi est continuellement du pain frais. Afin de pouvoir fournir du pain frais sur le marché, il est maintenant nécessaire de le produire sur le lieu de consommation. Par conséquent, des fours de petite taille ont été conçus et des armoires frigorifiques réglées sur 4 degrés permettant un stockage à froid afin de ralentir la fermentation et garder la consistance pour pouvoir cuire du pain à tout moment. L'action principale commence dans les produits de boulangerie surgelés. Les produits congelés sont maintenus à une température de moins 18 degrés après avoir été congelés à moins 35, moins 40 degrés. Cette procédure est particulièrement facile à appliquer pour les croissants, les pâtisseries et les produits de même catégorie qui contiennent plus d'huile. Les produits de boulangerie pouvant être stockés congelés pendant un an peuvent être prêts à cuire à tout moment grâce à des armoires dégivrantes pour lever la pâte spécialement conçue. Le secteur des produits de boulangerie se développe constamment, suivant une tendance dynamique croissante. La commercialisation sous forme congelée a donné le plus grand impact. Tout système de stockage à froid et de congélation est prêt à offrir de grandes opportunités commerciales et simplifie notre quotidien. Terminons nos paroles avec une citation du biologiste américain d'origine norvégienne, Dr. Norman Borlaug. Si vous voulez la paix, cultivez la justice. Mais pensez à cultiver les champs pour produire plus de pain, sinon il n'y aura pas de paix.